que nous concernait. Ça nous te dit que y a un évangéliste, ça puis c'est là qui ont dit, qui sont dédiés encore sur son jeu. Ou te dit que y a un évangéliste dans ce yon, on a prêché l'évangile. Bah, on a beaucoup de tes soins, mais ça vous te dit. Il n'y a pas de menti. Donc, si vous te dit, nous sommes d'accord, il va démentir là-dedans. Bah, vous qui ça, ou pas songer. On te dit que ça puis c'est là. Que tout le monde connaît l'évangéliste, on a prêché l'évangile. Au point que nous demandons un bien. Et on vous dit qu'à ça vient. Donc, encore. Je vous approche de l'évangile. Même pas de qui sont pasteurs. Ça l'a fait lui-même. Allô? Oh, la belle parole. Donc, il y a différence entre la belle parole, là, approche de l'évangile. Et... Ça veut dire. Oh, c'est un doctrinaire de l'évangile, un pasteur. Bon. Doctrinaire de l'évangile. Oui. Cependant, si nous avons un mot avec radical, dans la doctrine, là, nous plus souhaitons. Ok, c'est comme si on était là pour faire respecter la radicale dans la Bible. Qui est-ce lié? Pasteur. Oh, pasteur. Bon, c'est très bien sorti là. Mais évangéliste là. Oui, soit il y a une explication, mais ni plus que ça, ni plus que ça, on nous dit que, puisque il y a un évangéliste, sa religion définie là, c'est dans la conception populaire. Comme si on nous dit, bon là, il y a de la marche proche de l'évangile. La marche proche. Et le plus souvent, moi, ça veut dire ça qui ouvre. Il y a vexé le monde, j'en qui ouvre le vexé. Non. Ah, mais c'est prêt pour. Ok. Et en pile fois, il y a quelques églises qui peut accepter un évangéliste qui a pu prêcher. Parce que d'après ça, qu'on dit là, et. Il dit ça pour faire qui bien. Il dit ça, il est tout. Il vient de jouer. Il a bien joué avec la Bible. Après ça, il a fait ôter. Et puis il dit au moins, c'est évangéliste. Moi, il a pas mal qu'on a fait dans les gars. Donc là, ça, c'est le pasteur lui-même qui gagne. Il y a un troupeau qui l'a mené. Il n'y a pas de même. Crasé dans mes lits et gagné dans mes lits, donc on y a pour la venir ranger. Ça, l'autre a été sauté. Mais ce n'est pas ça seulement, l'évangéliste. Ce n'est pas ça surtout que dit. D'ailleurs, aller de lieu en lieu, mais là, aller de lieu en lieu, à qui compte au sorti? Qui compte au sorti? Et c'est là qu'on est ça. Alors, l'évangéliste, d'où est gagné en l'église? Côté corité. D'ailleurs, c'est un don qui gagne dans l'église. En dans l'église, il fait avec un pasteur, il fait avec un diacre, il fait avec un évangéliste. Ça fait ça que lui fait. Ça veut dire tout à travail ensemble. Pour qui ça? La Bible a dit, c'est pour l'édification du corps de Jésus-Christ. Tout à travail ensemble pour l'édification de l'Église. Alright? Cependant, il y a un problème qui pose côté monde complexé. Avec titre là. Tout le monde, si ce n'est pas titre pasteur qui l'a caillou,
Donc, ils ont senti qu'ils sont inférieurs. Et qui est très haïtien. Qui est très haïtien. Si ce n'est pas petit pasteur que vous gagnez, bon, vous avez un gros problème qui pose. Et puis avec ça, vous avez crasé en dedans parce que un tel n'est pas pasteur. C'est tout un bas d'un jeune petit pasteur là, il y a un problème. Et mon cher, nous n'avons pas pour un exemple, j'entends dire très haïtien. Pour un ici aux États-Unis, on nous dit prototype homme spirituel là. Qui j'en dirais les Billy Graham. Billy Graham. Que. Évangéliste, bah, Billy Graham. Comme si on n'a pas complexé des types. Parce que, en un mot, Job il a supposé plus grand que Job au pasteur. Aller dans le bâton rouge. Et c'est ça que l'apôtre Paul a besoin d'assurer lui avant que tu te mourir pour te quitter. Et, monsieur Sayo, là, même si nous pas considéré. Non, tout l'autre, on va faire un pile écho, d'un coup, Philémon, mais, quand à Timothée et Tite, oh, il était vraiment chaud que tu t'es quitté deux jeunes garçons, ça, on a là, où il y a comme des évangélistes, et pour l'œuvre de Dieu, capable d'édifier et pérennisé sur la terre. Donc pour ce faire, il était valu des recommandations sérieuses. Donc en d'autres termes, l'évangéliste, ce n'est pas un monde qui a pu prêcher pour capable savonner un monde. Et seulement, of course, la prêcher. Pour montrer où doit la fixer où selon Jean Bible a flélé. Mais il y a plus que ça. Évangéliste, c'est un monde qui lui-même supposé droit tout pour le capable de dispenser et enseignement. Principe que l'a fait passer, hein, il faut que lui-même lui droit avant, oui, pour lui faire mon droit. Pas en bon? Puisque il s'en bagaille là, il est mal compris. Il est mal compris à la vie. Oui. Qui comparaison, un évangéliste avec un pasteur. Qui comparaison. Mais c'est ça que nous avons dit là, 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 là. C'est ça que nous avons dit en, dans l'église là, gagner un ministère ça y est. Tout le monde qui travaille ensemble. Pasteur, par définition lui-même, c'est. Il y a un berger. Berger, sous berger, ça veut dire ou bon troupeau. Donc, en tant que berger de c'est veiller sous troupeau. C'est ça que vient. Et ça que fait Jésus te dit que je suis le bon berger. Car le bon berger, lui, il donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon pasteur. Car lui, en tant que bon pasteur, il baille pour rebellion. Donc, c'est ça la définition d'un pasteur. Bien. Yeah. Or, comment on voit le pasteur si on n'a pas un troupeau devant? Of course, nous travaillons dans une façon telle que on a 2, 3, 4 congrégations d'église comme évangéliste ou travail. Ou yo. Ou vin tellement confident avec congrégation sa yo que ou vin tant pour son pasteur pour moun sa yo parce que vous avez intimité
l'église là, c'est pas venir prêcher, vivre d'eau, aller, mais vous faites partie de l'église là. En sorte que problème en dans ces problèmes auquel il y a, donc en conseil ou réuni et constamment avec pasteur titulaire là, pour les besoins de l'église, mais c'est pas venir prêcher. Après ça, virer de ou aller, vous ne pas connaître ça qui a passé en dedans encore. Donc, ça c'est. Et donc, pasteur là, job là, c'est que les gagnants ont une congrégation devant lui qui relaient troupeau que bon Dieu a pour capable de prendre soin. Lui. Donc, en tant que berger, c'est normal que la veille. Sous chaque petit grain cabrito qui en a. Donc, évangéliste là, c'est d'avoir un co-berger que ça veut dire un monde qui a travaillé ensemble avec berger, ensemble avec pasteur là, pour veiller encore sur la vie des brebis. Donc là, vous voulez faire route, cochu pour la rien. Et de rentrer. Souvent que vous croquez dans une vieille clôture, eh bien, vous dégagez, vous râlez et retournez. C'est tout ça, vous avez mangé de cela hier. Donc, différence avec pasteur là, c'est que pasteur là, c'est lui qui est censé titulaire qui gagne. Responsabilité devant peuple là, devant congrégation et devant Dieu, parce que c'est lui qui est censé qui décharge la main. Mais pendant que l'évangéliste là, pas bien toute responsabilité, l'église, mais il vous la rendre compte devant mon Dieu, même j'en doué pour congrégation, ça va prêcher pour lui. En sorte que n'importe quel vieux message qui vient là, qui est en dedans, qui détruit l'esprit mounio. Bon Dieu, pour vous mettre le compte là-dedans. Et lui-même tout, lui était pour capable de préparer du tout, en sorte que ça l'a dit, c'est pas pareil pour une qui est capable de dire marre mounio qui a parlé avec lui. C'est ça qui fait. L'apôtre Paul a fait une série de recommandations à M. Timothée à Tidion. Il a dit, Timothée, veillez sous tête. Veillez sous tête et veillez sous enseignement que vous avez fait passer. Il a dit ça, du côté, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 5. Veille sur toi-même. Et sur ton enseignement, nous étudions bagay ça déjà et réétudier encore. Donc, je connais si la réponse là pour je n'y a plus problème quand même. Bon, ok. Donc, on t'a posé les conseils l'autre jour que pour évangéliste, ou doit gagner. Bagay nan bouche. Sa nan bouche, c'est l'évangile Jésus-Christ d'abord. Yeah. Évangéliste. Qui gagne parole Jésus a que l'a fait propager sous une forme ou sous une autre. Et nous avons dit que c'est normal. Parce que pour un deux mots, ou un jeune, c'est dans l'autre qui est sorti. Qui fait que nous te posons la question, combien l'évangile qui gagne, alors, combien l'évangile qui gagne dans la Bible là? Quand l'évangile, ça va être capable de dire. Et nous étudier, nous disons qu'il y a un seul évangile, pas vrai? Nous disons seul évangile. Un seul évangile. Qui ça évangile là, vous dire? Alors, ça l'évangile le dit. La parole, même réponse. Encore, tandis que l'aime de Dieu. Et ça,
le livre Exode, ce n'est pas la parole qui est. Le livre de Jérémie, ce n'est pas la parole qui est. Hein? Apocalypse, ce n'est pas la parole qui est. Il dit que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Message que Jésus vient avec l'IA, c'est lui qui est l'évangile. La bonne nouvelle du sage. C'est ça que l'évangile. Parce que avant Jésus, nous dit que la parole est toujours existée. D'ailleurs, au commencement, c'est ça que nous apprenons dans la Bible, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait que par la parole, que par elle. Donc la parole est toujours là. La parole est toujours là. Mais la parole sous forme de bonne nouvelle là, qui est l'évangile là, les pattes là avant Jésus. Et nous expliquer très bien, n'importe qui va comprendre. Mais avant Jésus, bon, l'homme, c'était avec couteau tiré que était marché. C'est en question de loi du talion. La loi de l'émotion, œil pour œil et dent pour dent. C'était ça qui était à l'honneur. C'était en guerre seulement. Pays othéien. Mais Jésus venait lui retirer œil pour œil et dent pour dent, lui mettait de préférence. La grâce, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour, c'est ça que je mettais entre les hommes, l'amour. Donc, l'été est déclaré selon la prophétie Esaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. C'est ça, Esaïe était dit. Et puis Jésus finit rentrer en dans en synagogue là, longe où loi balé, lui répéter exactement ça, Esaïe était dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour vous annoncer une bonne nouvelle, car il m'a oint du cet esprit. Qui bonne nouvelle y est? Hey, tout aveugle, quoi loin, tout boite, quoi marcher droit, tout vieil esclave, quoi casser chaîne. Donc c'est ça. Bonne nouvelle, Jésus-Christ. Donc c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. En dans tout l'évangile, c'est ça que nous pouvons joindre. Parce que Jésus, ministère, etc., c'est marcher, fait bon bagage, ça y est, au maximum. Donc nous dit, gagnons seul l'évangile. Qui est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Donc, bonne nouvelle, ça dit ça, que l'évangile là, ils ont présenté sous plusieurs récits. Donc, récit, ça y est, c'est yo qui viennent faire les quatre évangélistes venir avec ça. Les quatre évangélistes viennent présenter quatre récits de l'évangile. Allô? Les quatre évangélistes ont présenté quatre récits, of course. Ils ont écrit Jean Stilio Bayo, Jean Fillo avec Jésus t'a marché. Ils ont écrit d'après témoignage personnel. Donc ça c'est récit. Ils ont comme ça nous parler de
Récit de l'évangile selon Matthieu. Récit de l'évangile selon Marc. Récit de l'évangile selon Luc. Récit de l'évangile selon Jean. Donc l'évangile, c'est la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Que Jésus venait pour ben la vie. Et pour lui de ben la vie, ça lui-même, pour qu'on ne pas l'idée de perdu la vie. Pour lui reprendre la vie. Et ça, l'évangile. L'idée de mener une vie misérable alors que n'est pas misérable pour compter. Et de mener une vie misérable, une vie de misère, une vie d'humiliation côté les hommes, faire les marcher sous pointe aiguille, et une vie de déception côté personne, pas poil pour rien. Même lorsqu'il y a tremblé, oui, devant lui. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de choix. La continue fait bien. À crabe ça, yo, qu'il y a démarré. Yo. C'est ça l'évangile. Jésus-Christ a eu. La pensée en série de plaies que le monde n'est pas capable de respirer. Donc c'est ça l'évangile là. Donc un évangéliste hein, nous dit que c'est pas un monde qui a vu une taille bandale avec la Bible, non, mais les gens pas la voix dans l'arrière comme si nous avions chaque réunion évangéliste parce que pas qu'on l'autre site qu'on n'a pas pour. Mais l'évangéliste son monde de poids. Dans l'église, c'est mon ça qui vient l'église à camper sous dolly. Il y a un évangéliste. C'est sous dolly. Parce que tout vrai principe, directive, c'est dans la bouche évangéliste là qui nous sortit. Le plus souvent, dans l'église, c'est lui qui va remettre l'évangéliste là. Parce que la bonne vérité, Jean-Baptiste Dieu y est. Vous comprenez? Donc, passer à lui-même, la passe à côté, quand il est en tant que berger, la vigne. Il passe et met sous plaie, en pile fois, au point ministère, on commence à passer sous paix. Vous comprenez? Parce qu'il y a un autre objectif. Mais Jésus lui-même, en tant que berger, lui-même, il était tout à la fois. Il était évangéliste. Vous comprenez? Et il berger à la fois. Parce que pendant que la pensée plaît, et puis il n'y a pas. Des problèmes, s'il plaît, il y a un pot là-dedans, il lâche le poids pour le jeter parce que pour le capable de une vraie plaie, il faut qu'il ralève le poids pour l'entrer en dedans côté plaie et pour la tirer pour. Cependant, conception pasteur là lui-même, et il ne va pas toucher plaie. Il ne va pas toucher plaie parce que s'il touche plaie, ah, mon cher, le poids perd, il vient craindre ça. Vous comprenez? Il n'y a pas de toucher plaire. Et là, ça, comme si, quelqu'un évangéliste là, qui est là-dedans, comme si, elle parle avec vous. Quelqu'un qui est très arrogant, déjà, qui a besoin de faire avec le fidèle, il vient mettre. Pendant ce temps, pasteur, il m'a mis d'air pour venir manger ça. Tant qu'on a tout fini là avec, et puis il vient sa vie encore plus. Donc, bagaille, fait avec passion, vous comprenez? Ils ont fait avec passion, ils ont fait avec une série d'intérêts qui fait que ils ont fini perdu vocation, ministère. Ils ont perdu vocation ministère. Mais, encore, Job évangéliste là, tant pour me dit-il, c'est prêcher la parole. Je demande au pasteur. Le pasteur, c'est prêcher la parole tout. C'est d'avoir prêché la parole tout. Avec en plus, pendant qu'on prêche la parole là, on prend soin.
devant, parce que c'est responsabilité, vous pouvez dire. Mais en plus, fois, nous plus, pour la responsabilité, on a grandi et puis quitter la parole là, de l'autre côté. Donc, à fait, Timothée, avec Paul là, c'est un gros business que lui. Un business qui a pile passion là-dedans. Parce que si nous comprenons bien, Jean-Paul parlait avec Timothée, et Jean que lui établit dans le ministère là, ça va pas un joke là-dedans. Ça va pas un jouet là-dedans. Il va pas un jouet là-dedans. Parce que appel Paul à Timothée, c'est pour lui mettre les sous garde dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Et les derniers jours, ça, bon, il était là, sous Paul, pendant qu'il a parlé avec Timothée. Il était déjà là. Côté que il était Dieu et. Dans le dernier jour, qui ça l'homme va y aller, il va fanfaron, il va voleur, il va hautain, il va méchant, il va courrier, il va cupide avec des amis de l'argent, il va escamoteur, il va menteur, menteur, menteur. Et le lundi, les hommes seront. Bon, ça c'est le propos de l'homme. C'est parce que dans l'acquittance, monsieur jeune garçon, ça a été le Timothée de l'étude là, dans l'acquittance, il y a plus, le plus facile pour y avoir quitter ou Dieu. Pour yon accrocher yon à ça qui gagne comme si au miel dans la vie. Ça qui relève peau de vin. Ça qui t'a varié en jeu. Puisque nous avons un mot Éphèse qui constitue toute la trame. Le livre Timothée, ça. Nous avons Crète, la ville de Crète, bon, qui était laissée sous contrôle de Tite. Ok, on a quitté la côté, là, toujours. Nous avons la ville d'Éphèse, ça. Que nous parlons de l'IA. Et que Apocalypse présente vous très bien. Bon, on nous dit, c'est là que ministère Timothée dédié. C'est là ministère Timothée. Donc, toute mise en garde que Paul t'a fait Timothée, eh bien, l'étape. Mettez-le en garde contre les habitants d'Éphèse, surtout. Donc, dans 2 Timothée, chapitre 3, bon, c'est là surtout que nous voyons de côté et Paul parler avec tout lui-même à Timothée. Il dit. Sache que dans les derniers jours, surgiront des jours difficiles. Dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles. Dans les derniers moments, dans la vie,
gain des temps difficiles du point de parler. Qui ça explique ça? Les dieux, les hommes seront qui sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, ou bien hautain la carte, c'est ça, ou bien orgueilleux, d'après Bible, pas moyen encore, blasphémateur, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, qui relèvent encore sacrilège, insensés, déloyaux, en d'autres termes, implacables, calomniateurs, intempérant, si je dis encore, sans frein, cruel, ennemi des gens de bien. Encore, les hommes seront traîtres, emportés, comme vous m'avez dit, impulsifs. C'est bel bagay, oui. Ou pas qu'on nous ait dans quelques assemblées pendant que quelques réunions a fait un homme sauter le campé et puis il est parti pour la boulotte. Impulsif. Emporté. Ça arrive, oui. Oh, ça arrive. Nous, ouais, ça avec propre. Nous, frère, tu souhaites bagay, ça avec propre. Il est emporté. En gros, il mange dedans et puis il est parti pour aller. Pour aller boire et d'elle. Qui compte ça passer en dedans? Right? Dans le dernier temps, c'est tout le bagaille ça que l'homme est habillé, emporté, impulsif, enflé, d'orgueil, aimant le plaisir plutôt que Dieu. C'est tout le bagaille ça qui va gagner dans le dernier temps. Bon, c'est tout le ça que l'apôtre Paul t'a préparé, monsieur évangéliste, pour être capable de rendre garde contre vous. Mais alors, majorité dans sa cap dit là, yo. Bon, c'est. Nous joignons au cahier. Évangéliste, je vous dis. Parce que, ça vous nous a dit, tout type que mon n'est pas capable de prendre, il a la guerre en dans l'église. Vous comprenez? Tout ça n'a pas joué dans la rue. Parce que, on ne parle pas sérieux. En plus, acteurs, exhibiteurs, exhibitionnistes. Exhibitionnistes. C'est avec Sidio, comme s'il n'aime pas être d'un côté pour nous craser. Vous comprenez? Bon, ok, on nous fait un petit pas ça là. Mais, Paul dit, Timothée, sache que dans les derniers jours, les hommes seront ceci, seront cela, tant que nous sommes énumérés. Mais ça que Paul te recommande à Timothée dans le chapitre 4 là, de Timothée 4, il dit carrément. Mon enfant, lui-même, Timothée, mon enfant légitime, ou
du moins ça, alors nous voulons mêler, bien que c'est même nous qui sommes. Alors, c'est notre titre, chapitre 4, verset 4, lire le titre, mon enfant légitime. Hein? Lire le titre, mon enfant légitime. Même recommandation que tu fais à Timothée, ou c'est presque même pas de la que lui fait, elle arrive dans verset. Nous dit titre, chapitre 3. Non. Je vais me voir ici, là, de préférence. Point titre, chapitre 1. Si chapitre 1, verset 4. Pas de 4 chapitres en titre, de toute façon. Si chapitre 1, verset 4. Hein? Si chapitre 1, verset 4. Lise-le qui ça dit pour moi. Pour être sur bien nom là. À titre, mon enfant légitime. Mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données par de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ok. Qui est ça? Il y a un enfant légitime. Allô? Allô, un enfant légitime, ça l'est. Ok. All right. Cependant, Paul va te marier. Paul va te dire maintenant. S'il est marié, c'est avec l'Église qu'il marie. S'il est marié, c'est avec Jésus qu'il marie. C'est avec la Bible qu'il marie. Ok. Mais l'autre vraie définition philosophique de légitime, c'est loi de la racine légitime. Ça, c'est ce qui sort dans la loi. Lex légis. Lex légis. Donc, c'est petit moins d'après la loi spirituelle. Ça veut dire, monde que moins formé, qui prend conception moins à partir de études que. Donc, petit légitime moins ça. Et donc, on a dit, petit madame moins. Eh bien, mais ça que les dit, non. Verset 14, qui. Non, verset 14, là. Moi, j'aime ça, ça peut me rendre. Qui sont-ils là-dedans? Toi, demeure les choses que tu as apprises et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. Toi, demeure dans les choses que tu as apprise. Reconnu certaines. Chose reconnue certaines. Sachant de qui tu les as apprises. Ça veut dire que. T'as comme dit Oul tout le temps. Avant pour y aller. L'idée vraie mais chaud que les produits quelques fruits et puis fruits ça y aurait été comme des fruits qui demeurent, des fruits qui durent. Toi, mon fils, légitime, etc., demeurez dans les choses que tu as apprises. Ça, c'est bon bagage curieux. Donc ça c'est notre que nous. À nous retourner. Non. Timothée, chapitre 1er. Timothée, chapitre 1er. Un Timothée, on prend un Timothée. Chapitre 1er. Parce que nous vivons un an, deux ans, trois ans, c'est presque même pas que nous allons rencontrer. Un Timothée, chapitre 1er, prend pour moi, ok, à partir du verset 1er. C'est ok. Bon,
oh Paul, tu as apporté Jésus-Christ, la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Christ Jésus-Christ, notre espérance, à ce qu'on s'est présenté, dès qu'on y a la parole, c'est à Timothée. À Timothée, mon enfant. Donc mes deux petites saillots que Paul gagne dans le ministère. Les filles sont parlées avec titre. Hein? Dans un titre, chapitre. Pas un titre, c'est un seul titre qui est pardon. Dans titre, chapitre 1er, verset 4, les présenter comme mon enfant légitime. Alors, qu'on y est. Timothée, c'est le même langage que je viens d'employer pour lui encore comme mon enfant. Et quelque part, il voit tout mon enfant dans la foi. Message là, c'est retenant ça que vous apprenez. Et sachant que vous connaissez qui est le monde qui parle. Donc, mais ça, l'évangéliste là, Paul, c'était un évangéliste par excellence. Qui pas là sur terre. Pas sur terre, il était sur terre là. Ah, excusez-moi. Qui pas là dans le ministère Jésus, lorsque Jésus t'a fait appel à M. Saïe, tantôt au bord de l'eau, tantôt dans le marché, et tantôt dans l'administration. Il n'est pas dans le temps. C'est un appel spécial que Paul lui-même était gagné. Étant Saul de Tarse. Vous connaissez l'histoire, ça. Parce que Jésus, pour aller, mais il connaît ça, la petite soute, ça. Il connaît combien de chers là, j'ai été gagné dans le temps, monsieur, dans la rue. L'évangile là pour retoucher yo. Même monsieur ça yo, qui t'a crabiné, l'a crabé là avec un coup de bois yo, yo faut qu'on converti, non? Donc Jésus parlait. Mais ça là peut continuer à aller. Oh, monsieur ça yo, quel qui était derrière, c'est déjà, ouais, Pierre, avec. Si Pierre que lié, il n'est pas capable de correspondre avec M. Saïe. Il est condamné dans la vie. Il pêchait le poisson. Même là, il est rempli de cet esprit. Oh, il y a trop d'efforts qu'il pourra le faire. C'est, Jésus est venu rentrer caille. Même connaître Saïe qui t'a croisé là avec le poisson. Il est venu rentrer la caillou pour choisir le monde qui pourra parler avec même M. Saïe encore. Donc c'est comme ça que l'appel Saul de Tarse là vient faire. Mon serviteur que j'ai tiré du milieu des païens pour aller porter la parole aux païens. C'est un message ça que Jésus. Ananias. Ah, mais c'est pas n'importe qui a vu devant là. C'est pas n'importe qui. Donc, Paul, il était là pour parler avec, pour préparer, si bouge ça, il y a pour te quitter derrière, qui pour venir pérenniser le travail. Pérenniser le travail. Donc, nous avons tout à l'heure, parce que dans l'époque, ça a été gâté. Et
te di oul, ta le a nou pat kampe sou li. Mon effet sa, ki rempli, e fi Timote a. E ba pou yen, non? E ba pou yen, mise, si nou ta vle, dwe fè, etalaj, effet sa mette kampe pa ou. Tout d'abord, en Asie, il est à nous qu'à parler de l'Asie mineure, où c'était côté la vie a été florissante. C'était belle la vie qui était gagnée. Et vous capable d'avoir une idée de présentation que vous faites de Sodome, de Gomorre, dans l'Asie mineure. C'est côté que la vie a été belle. La vie était belle. Dans la vie de belle, donc Éphèse lui-même, lui était représenté. Bon. Il y a une ville côté la vie a été plus belle. Il y a une côté la vie a été plus belle. Tout d'abord, c'était une grande ville qui était grande, qui était gagnée en pile importance du point de vue commerce. Elle lui dit, l'argent t'a coulé en dans les fesses. Au bagage qui fait l'homme fait de plus dans la vie, c'est d'abord l'argent que y est. L'argent. L'argent, tant que nous connaissons, il rentre dans tout coin. Et il fait surface. Rentre, il contrôle. L'argent rentre quand il y a monde de bien, il fait monde de bien une sale. Puis ça va, c'est là. C'est ça qui fait, dans le monde spirituel là, waouh! Nous avons un pile monde spirituel qui est très sale. Nous n'avons pas beau pour faire rien, pas vrai? Parce que l'argent là-dedans. Ou bien on fait sale pour ramasser l'argent. Ou bien on servit avec l'argent que on gagne pour capable faire pour musquiter. Allô? Oui. C'est l'argent qui fait un pile homme de Dieu obligé de gagner deux, trois madame. Parce que l'argent n'a pas capable d'occuper l'autre fidèle avec lui. Donc, parole ça, Paul t'a préparé, M. Timothée, pour ne pas perdre des bagages, pour ne pas dénoncer. Yo. Pas moi. Pas dénoncer. Yo. Ça peut être dit. Timothée fait l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. En d'autres termes, pas perdre la vérité. Donc, Éphèse, c'était un ville, côté que commerce là était florissante. C'est un commerce là. Et c'est là que Timothée te recevoir les deux lettres. Un Timothée et deux Timothée. C'est là que le est. Lorsque Paul te écrit. Éphèse était connecté avec ville ça qui est la Odyssée. La Odyssée. Ça, Jésus dit dans l'Apocalypse que la vomille au jour de l'épreuve qui doit venir sur le monde. La vomille, la Odyssée, oui. Là, on dit que c'était une connexion avec Éphèse. Même j'en étais connecté avec la ville de Colosse. Parce que la vallée de l'Euphrate, c'est lui qui était pont de liaison pour Yo. Éphèse, lui était important entre. Du point de vue politique.
L'homme y a un commerce qui a marché bien. Et il y a un pouvoir qui est de la caillou. Vous dites que la ville, pas vrai? Et l'époque, ça, c'était l'époque de l'Empire romain. Côté l'empereur romain a marché, mené conquête sur les autres nations. Hein? Et pour cela, il était obligé d'établir des garnisons militaires un peu partout, dans presque toutes les villes. Tant qu'aux États-Unis, qui voulait déclarer lui comme plus grande puissance dans le monde, avec ça, il est obligé à mettre des camps militaires dans tout le coin de notre pays. Ah ouais? Donc, l'arrivée d'un côté qui n'a pas gagné, bagaille ça, qui pour faire peur comme ça, ou sentir vivre bien. Eh bien, ça, c'est à Éphèse. C'est un côté, en pire, même pas établi garnison. Avec ça, vous nous sentez que vous ok pour y avoir plaisir à Éphèse. Pour être affaire, vous faites l'argent, vous embauchez, tout va bien aller bien. Avec ça, il est devenu une ville autonome pour contre lui. Et vous avez relevé la métropole suprême de l'Asie. Métropole suprême de l'Asie. Donc la capitale de l'Asie. Pipo, édifice religieux, c'était à Éphèse que j'étais. Tu as trois grandes constructions. Ça veut dire dans l'église, dans la religion, c'est les plus gros nègres. Et dans trois grandes églises, ça a été gagné. Le dernier, ça a été comme grand, c'est la dalle que Timothée était lorsque Paul t'a écrit lui. En d'autres termes, toute histoire, Timothée, pour l'attendre de parler, la parler de l'église d'Éphèse, c'est dans les derniers grandes églises. Donc, continue à dire, l'église, est juste pour nous, c'est là tout pour le monde. Or, on dit que l'église, ça, l'était dédiée à la déesse de l'époque, à Diane. On va dire, le côté dans l'église, mais c'est synagogue de Satan qui a dit. Donc c'est dans le contexte ça que Paul lui-même lui a parlé à Timothée et Bali qui Jean pour le capable marcher pour yo. Il doit faire douceur en exhortant et en enseignant. Et l'idée de Timothée choisit toute occasion favorable ou non, ou capable de faire des sacs passer. Allô? Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps, des jours difficiles. Ou bien, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront ceci, cela, égoïstes, fanfarons, malhonnêtes, ambitieux. Mais dans le temps, tout bagage, ça y est, il dit remplis bien ton ministère. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Donc, évangéliste, là, ce n'est pas seulement venir dénoncer le péché l'autre monde, mais vous-même, vous supposez parer tout, vous ne pas vous éloigner. C'est ça qui fait l'idée, dit l'autre là. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Parce que
Dans l'enseignement, pour que toi faire un lot à la gueule dans tout. Dans l'enseignement, pour que toi c'est discrédit qu'on vienne la gueule sous l'évangile. Qui ou pour venir parler là, c'est ça qu'on dit. Qui ou? Regardez, j'ai au plein la double et puis ou venir et toi et dit pas et puis non, j'ai moi. Dame, faut camper là. Et répondre à la question si tu as gagné. Juste pour me faire place à la question. Dans le cas contraire, on ne peut pas avancer. C'est que ma gagne.